Wesh, 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 wesh. Ça va ou quoi la famille? Vous allez bien? Billy, c'est quoi le thème de ce soir? La famille, le thème de ce soir, moi, regardez. Il y a une émission que je regarde depuis que je suis au collège, ça s'appelle Striptease. Mais ça n'a rien à voir avec les gens qui dansent autour des bars, tout ça, dans les strip clubs et tout, c'est pas du tout ça. J'imagine, Striptease, c'est peut-être se mettre à nu, et enfin, c'est mon analyse. Mais se mettre à nu parce qu'en fait, c'est une équipe de télévision. Ils viennent filmer un sujet. Par exemple, une famille, un couple, un peintre. Et en fait, ils le filment pendant limite 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ils en font juste un épisode d'une heure. Mais ils arrivent tellement bien à se fondre dans le décor que la personne filmée, elle se rend même plus compte qu'elle est filmée. Et du coup, on est en totale immersion avec la personne qu'il y a dans l'épisode. Et là, ce soir, on va regarder un épisode que j'ai déjà vu quand j'étais au collège. Mais je me rappelle plus énormément. On va lancer l'épisode. Ok, c'est ça. Pour ceux qui arrivent, ça va être quelque chose, hein? Ah, Jacques Léo. Ouais. Tu connais trop le soleil et les tropiques. Tu vas arriver à pluie à fond la caisse. Il est tout blanc celui-là. Non, 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 non. On n'attend pas. Ici, avec la pluie, c'est toujours pas facile. On a failli attendre. Bienvenue dans notre pays. Oui. Pas avec cette dure. J'espère. Bonjour, Sabine. Sabine. Elle, c'est ça qui bine. Oh, Sabine. Oh. Attendez. Il y en a qui l'a... Il y en a qui a dit, on dirait Nico. Voilà, j'avais pas tilté jusqu'à que je lise. Il a la voix de Nico à 100%. Oh, Sabine, Sabine, comme... Sabine, mon amour. Je suis toujours parti pour Laura. Mission. Tu es resté à faire n'importe quoi quand je on suis est en pas France là, Sabine. Ici. Philippe, tu as dû avoir des problèmes pour s'asseoir parce que c'est petit, hein? C'est pas confortable les avions. J'entends plus que ça, c'est horrible. Eh, j'aurais jamais dû dire ça. C'est une confortable. C'est une manière élégante de dire que j'ai un groupe. Non, oh non, absolument pas. Ah, non, je parlais de la taille des jambes. Donc voilà, là, ici, c'est le bar. Tu vois, c'est le salon où tout le monde pourra se reposer, boire. C'est très grand. Ça, c'est une chambre. Ouais, donc il y a des placards. C'est la seule qui a un placard. Ah, c'est la seule qui a un placard. Alors là, c'est là où c'est... ce fut. Pas possible, c'est battu. Ce fut, ma... Je fais une dernière fois pause. Je remets vraiment dans le contexte pour ceux qui viennent d'arriver. En fait, c'est un caméraman en immersion. Il a suivi cette troupe de théâtre pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et il nous en a fait un épisode d'une heure en mettant le meilleur de ce qui a pu arriver à cette troupe de théâtre. Ça aurait pu être un épisode joyeux, un épisode triste. En fait, voilà, je vous spoil pas ce qui va se passer dans cet épisode, mais il n'y a pas de contexte. Même eux, ils sont en train de se découvrir, et même le caméraman lui-même, il filme ça en direct, enfin, en direct quand il était en train de filmer ça à l'époque, et il n'y a rien d'organisé. Tout aurait très bien pu se passer, tout comme très mal se passer, il découvre ça et il en fait un épisode, ok? Et je répète, c'est l'émission Striptease, mais ça n'a rien à voir avec les danses dans les clubs, tout ça. C'est des gens qui sont suivis dans leur vie pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Cette équipe de télévision belge, de base, ils sont belges, en font un épisode d'une heure, 2 heures. Des fois, c'est des épisodes en 3 parties. Et c'est en totale immersion avec eux. Okay? Donc là, pour ceux qui viennent d'arriver, il y a une troupe de théâtre française qui viennent d'arriver, je crois, en Martinique ou en Guadeloupe, je sais plus. Ils sont accueillis par le gars qui les invite chez lui. Et voilà, il fait lui aussi partie de la troupe. C'est comme si c'était un peu le PDG de la troupe, ce gars, si vous voulez. Chambre. Ça c'est ma chambre. Ce fut ma chambre. Liliane, pardon. Moi, le seul c'est que j'ai un endroit pour poser ma tête. Oh, bah, il reste aussi, visiblement, excuse-moi. Ah. Attends, tu devrais faire un plan sur l'ensemble. C'est vraiment ethnologique. Donc, j'avais mon canal plus et canal satellite pour regarder les matchs de foot. En plus, cette chambre, elle permet d'aller même sur la plage. Il y a une terrasse par là. Ouais. C'est une parabole. Ce regard, il me tue parce que, en vrai, le frérot, il accueille des gens, il aurait pu nettoyer avant. T'arrives, tu vois, il y a une imprimante par terre, il y a des feuilles. Elle est là, elle regarde comme ça, elle se dit, mais je vais vraiment passer un mois ici. C'est toi qui as fait installer ça? Oui. Ah bah oui, je vais démonter après pour ramener à notre maison. Ah ouais, tu ne me laisses pas. Bah, vous ne regardez pas le match de foot? Si, si. Moi, je suis un footballeur. Donc, on va descendre ça. Il y a les films aussi. On va descendre dans le salon. Pour capter le foot. Je pense que tu vas emmener quoi ici? Mais sinon, si je peux vous laisser ça, je prends notre abonnement. Oui. Mais il faut trouver une télé. Pour comment ça?
Ben, tu veux regarder ça avec quoi? Il faut une télé. Mais il y a une télé là. Non, ça c'est ma télé. Mais comment? Non, non, on va rester sans télé, on va. Mais ça c'est. Donc, y a la maison, on va rester sans télé. Donc, mais vous êtes ici, vous achetez une télé. Mais là, parce que moi je suis venu pour travailler, donc on doit acheter ma télé aussi. J'achète déjà le matelas. J'achète déjà quoi? Bouffer. Donc, la télé aussi, donc la maison. Dis-moi de louer aussi la maison. Non, hein? Non, la maison c'est moi qui loue. Tu sais, c'est pas du tout. Là, déjà, en fait, c'est un premier red flag. C'est que le gars. Il les invite chez lui, il a sa télé mais il veut pas prêter sa télé. Il leur dit, les gars, si vous voulez regarder le match de foot, achetez-vous une télé. Donc ça commence déjà mal. Attendez, vraiment un truc plus compliqué que ça. Genre, où c'est vraiment le truc avignonnais, on arrive où il n'y a rien et puis on se débrouille. Mais il faut faire des courses, acheter des matériels, des trucs. Est-ce que il y a possibilité de, je sais pas, d'avoir... Non, voilà, il était prévu. Hein, que je vous file une avance sur solde quand vous arrivez. Ouais. Bon, on a eu des difficultés avec la DRAC. Ouais. Jusqu'à ce matin, ouais. On était. C'est pourquoi quand Philippe m'a demandé. Difficulté avec la DRAC. La DRAC, j'avais recherché à l'époque, je crois m'en souvenir, c'est ceux qui sont censés rémunérer ceux qui font du théâtre, on va dire. Okay, on va appeler ça comme. L'URSSAF. J'ai eu des difficultés avec l'URSSAF, les impôts. J'ai pas votre argent, je peux pas payer tout de suite. Tu viens souvent ici, j'étais ici jusqu'à ce matin à 10h. Et que bon, on a réglé un certain nombre de choses. Donc on a un petit retard d'une semaine. Le résultat des courses, là. Ce alors... qui fait que je ne peux pas pour aujourd'hui, là, vous donner l'avance prévue. Mais si vous avancez, dans une semaine, je vais vous les rembourser. Une semaine. Voilà. Donc, au plus tard, parce que là, on est déjà mercredi. On est mercredi déjà. Aujourd'hui, les gens n'ont pas travaillé parce que mercredi, ici, on ne travaille pas. Ouais. C'est... Ah oui. Moi j'ai les principes. Là, dis-moi, faut que je passe. C'est mercredi. Faut que je passe un télégramme à Paris pour qu'on m'envoie de l'argent parce que moi j'ai aucune possibilité ici. Non, mais attends, pour les courses, le plus important c'était quoi? C'était le matelas? Oui, matelas. Voilà. Faut bouffer s'il faut une semaine. Pour le matelas, moi je vous dis que je peux vous prêter les matelas. J'ai quand même quelques-uns qui sont à moi. Et moi je peux squatter, je me sais où. Pour que vous ayez déjà, vous économisez l'argent pour acheter déjà les matelas. Pour la vaisselle, les assiettes, moi j'ai quelques affaires parce que j'ai pas encore trouvé de maison. Donc je m'en sers pas. Donc je peux vous... Les gars, je suis désolé, je fais beaucoup pause. Bon, c'est parce que voilà, c'est Striptease et tout, c'est nouveau que je réacte à sur ma chaîne. Mais ça me tue qu'il soit en scam en 1v9. Ça veut dire qu'il est en train de les 1v9 en scam, en les regardant tous droit dans les yeux et tout. Il est trop fort. Bière à la main, ça me tue, il est en détente de fou. Pour le frigo et le congélo, moi je ne suis pas encore parti parce que je n'ai pas trouvé. Je peux aussi vous prêter mon congélo et mon frigo. Les seules dépenses que vous pourriez faire, c'est manger. C'est-à-dire couche pour manger. Ah oui, il n'y a pas assez de matelas. Les matelas, c'est un gros souci dans cette maison. C'est un gros sujet qu'il y aura dans l'épisode parce qu'il n'y a que deux matelas, je crois. Je peux ? Merci. Salut mes deux donzelles. Comment allez-vous? Bien dormi? Ouais. Bon, je vais juste prendre ma petite serviette dans celle qui fut ma chambre. Alors, mujeres. Mujeres. Il faut que... Vous voyez tout ça là? C'est à laver. Tout ça. Le deal, c'est que je vous laisse ma machine à laver et vous, faites mes lessives. Je ne devrais même pas te demander. Dès que tu as vu que j'ai... Moi, je prends, je mets dans un tas, dans un coin. Et quand je reviens, c'est nettoyé. Toi. Ah oui, je n'ai rien à dire. Je prends, je dépose quelque part, je reviens, c'est fait. Mais bon, vous savez, même chez nous... Elles sont choquées. Elle croit toujours rêver l'autre. En Afrique, contrairement à ce que l'on pense, nous, les hommes, on joue le dur. Nous, on est les gens de la lumière. C'est dans la lumière que nous, on agit. On joue l'homme. Et les femmes jouent dans l'ombre, c'est dans l'obscurité. Quand il fait sombre, où personne ne voit rien, et c'est là qu'elles agissent. La nuit, on s'écrase. C'est pourquoi il faut attendre la nuit. Maintenant, vous connaissez mes faiblesses. Agissez. Agissez, les femmes. Agissez. Vous êtes sûres? Attends, je viens de comprendre. Je viens de capter, quand il dit « vous connaissez mes faiblesses, les armas », vu que vous êtes des gens de la nuit, les femmes, et ben moi, je serais trop faible. Agissez la nuit, il sous-entend quoi, là? C'est scripté, la famille, il n'y a rien de scripté, Striptease. C'est une émission de fou malade, les gars. Et je sais pas comment ils ont déniché autant de cas depuis les années 85 en France, mais il se passe des dingueries. Agissez. Non, c'est pas bien.
d'avoir... En tant que chef, vous, la nuit, vous venez dans la case, vous demandez-moi tout ce que vous voulez, vous saurez. Matthieu 7, verset 7. Demandez, on vous donnera, frappez la porte de mon cœur et on vous ouvrira la porte. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah non. On vient vous demander si vous auriez éventuellement des chaises à nous prêter. Parce que donc on habite une maison juste à côté, on essaye de se meubler, on vient d'arriver hier. D'accord. Et on voulait savoir si éventuellement vous auriez la maison est vide, quoi, il n'y a rien. Au lieu d'aller acheter, on reste que deux mois là. Uh-huh. Bon, s'il y a des voisins juste à côté qui sont très gentils. Ouais, déjà, très gentils, ben, allez-y, prenez tout, ouais, vous pouvez y aller. Prenez tout. On restera deux mois. Bon, pour si quelqu'un peut nous prêter un tabouret. Même un matelas, hein, parce que moi là, je m'en vais. C'est temporaire, ouais, allez-y. C'est bon, on connaît. On demande un matelas aux voisins, c'est quand même pas des SDF qui demandent le moon. C'est simplement, en fait, c'est effectivement, nous, on est une compagnie et on est professionnels, on vient travailler ici, mais effectivement, la DRAC doit nous donner une subvention pour avoir des meubles dans la maison. Doit nous donner. J'ai pas très bien compris, moi, votre projet. Vous êtes venu faire quoi? On est en résidence, voilà. On est sur la création de deux pièces. De Shakespeare. Voilà. Et pourquoi la Guyane? C'est ça qui m'a... Parce que, en fait, le metteur en scène, Servine, qui est congolais, ouais, a dû venir ici et a proposé à la DRAC de faire un projet culturel. Donc, en échange, ils donnent des ateliers sur Cayenne, sur Kourou, ouais, à des lycées, collèges, adultes et enfants. Non, dans le chat, l'a dit, je suis choqué, ils sont livrés à eux-mêmes. En fait, c'est ça le pire, c'est que... Le gars de la maison, il les accompagne hop, et leur dit, les gars, bon courage, allez trouver vos matelas, là, c'est pas trop fou. Quand je pense qu'hier, on était à Paris. Hein? Ouais. Allez. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai l'impression que ça fait déjà longtemps que je suis là. Ouais, moi aussi, je suis un peu déconnectée. Le boss, en train de s'enjailler. L'homme de la lumière. Je sais pas, ça a dû être tourné dans les années 98. D'accord, ok. À tout à l'heure. Le mec grave précis. Dès que tu es sur Cayenne, appelle-moi. Ok, Jazz. Allez, ciao. Oh là là là. La boîte aux lettres, elle est désaffectée depuis. Bon, attends, je vais demander là-bas parce que. Ouais. Ah, là, mon nom. Attends, c'est combien, attends, 80 francs, là. Enfin, moi, c'est comme vous voulez. Pour des chaises seulement? Non, mais attendez, vous voulez mettre 80 francs dans des chaises? Écoute, moi, et 160 soir, balles, vous avez faites ce que vous voulez, moi j'achète une chaise. En tout cas, ce soir, je veux être assis. Ah bah moi, c'est ce que j'ai dit, mais moi... Les enfants, c'est pas de ma faute, parce que moi je suis très riche, alors donc... D'accord, très bien. Moi, je serais allé dans le premier magasin, voilà. Moi aussi, donc, je peux faire ça, le problème n'est pas là. Mais je comprends pas, c'est le premier à avoir pété son crâne sur 80 francs. Et après, il dit, wesh, mais... Ah, de toute façon, je suis riche, donc il n'y a pas de souci. Et lui, il y a déjà des tensions dans le groupe, il est en mode, la famille, faites ce que vous voulez, moi, ce soir, je suis sur une chaise, personne ne va rien dire. Débrouillez-vous, il y a déjà des gens qui se la jouent perso. Mais c'est combien, 80 francs pour l'époque? 2005, je dirais. Bah, j'ai l'impression que c'est antérieur à 2005. Regarde la tenue du gars, tout ça, ça sent les années 95, on dirait. 15 euros. Ouais, mais finalement, ma question, elle était bête, parce que 15 euros de maintenant. Moi, je me prends une chaise jaune, tiens, d'ailleurs, elle est très laide. Et voilà, boum. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Oh la belle jaune. Oh la belle jaune. T'as combien ça? Je me désolidarise, je m'achète une chaise. J'aurai une chaise ce soir. Ça me gave, je suis sorti de chaise. Donc voilà, au moins une. Là. Là. On va pas polémiquer 100 ans sur une chaise à 70 balles. Après, si on veut acheter une table, autre chose. C'est vrai, c'est ce que je disais. Il a pris la pire. Ça me fait chier, mais en même temps, si on passe encore 3 jours. Ouais, mais... Réfléchisse comment split la chaise en deux pour ça. Je sais pas. Si t'imagines ce que c'est que l'Europe des 15, tu vois. Là, on est 6 pour arriver à acheter des chaises. Imagine les mecs, l'Europe des 15. Ce que ça doit donner pour des trucs qu'engage l'avenir du monde, tu vois. Enfin bon, tu vois.
Ouais, mais eux, ils sont intelligents. Tu comprends qu'ils aient trouvé un os dégueulasse que le rond. Le rond. Normalement. Bon, dis, si on veut s'asseoir, faut se manier, là. Alors toi, je te baptise Désiré. Au moins, ils gardent le sens de l'humour, tous. C'est sympa. Désiré. Tout ça pour ça. On dirait le louche. Désolé, sourire, Maïe. Bon. Pourquoi est-ce qu'on parle théâtre un petit peu, là, parce que tant qu'on s'intéresse aux chaises, là... J'ai vu qu'il y avait des problèmes plus importants d'abord à résoudre, l'installation. Une fois, si vous n'êtes pas installé, on n'avait pas de chaises. Donc c'était bien. Et puis moi aussi, ça m'a laissé le temps de finir mon travail. Et que je me suis dit, quand je vous ai vu arriver fatigué, alors je me suis dit, c'est pas la peine de faire la lecture. Autant mieux faire carrément un travail de voix et physique. Ça permet de se déstresser de tout ce qui s'est passé dans la journée, les galères, les... Et voilà. Ils sont yom. Hey, ils sont venus pour faire du théâtre. Il leur fait faire un 3x500 tour du gymnase. Préparation de DR. On faisait la même chose en Espagne, je suis dégoûté. Tu parlais de difficultés d'argent et de problèmes à droite à gauche. Qu'est-ce qu'il en sort? Qu'est-ce qui va se passer en gros d'après toi? Qu'on sache un petit peu où on va. Ben, ce qui va se passer, premièrement, je vous avais dit à Paris, quand vous arriverez, vous aurez une avance de solde pour vous permettre de vous équiper. Ça, on sait que ça ne s'est pas fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer d'après toi? C'est lié. À partir de la semaine prochaine, disons vers la fin de la semaine prochaine, j'aurai une première avance de la DRAC. Qui a déjà été... la situation. Qui permettra, voilà, qui va décoincer la situation, qui me permettra de vous donner votre avance afin que vous puissiez après vous équiper, parce que moi après je dois déménager. Non, mais c'est pas uniquement nous le fait de s'équiper, c'est tout le projet. Non, nous on s'en fout des autres. Non, le projet en fait ne souffre pas d'un manque, plutôt souffre des retards administratifs dus au système. D'après ton intime conviction, parce que nous, c'est ce qu'on te demande. Est-ce que le projet est en danger ou non? Le projet, non, il n'est pas en danger, puisque les fonds sont là. Je dis, les fonds sont là. Ça n'a pas capoté. Ça n'a pas capoté. Non, non, le projet, non. Le projet ne souffrira pas de ça. Ne souffrira pas de ça. Avec certitude. Non. Mais ce n'est pas un procès qu'on non, fait. Non, non, hein. Je dis, on c'est te vrai raconte que... nos non, inquiétudes vous, avec, c'est normal, vraiment vous, avec amitié. C'est normal, vous réfléchissez en individu. En accidentaux. Ouais, non, en individu. Maintenant qu'on est rassuré, c'est bon. Si plus un peu en galère, c'est bon. C'est la joie, c'est bon. On est sur un super voilier. Moi, j'ai jamais dit que c'était un plan galère. Non, mais quand tu connais pas les... Ouais, je rêve où il a un pull Stone Island. Il a eu ça. Les personnes, tu sais, je veux dire, on est quand même très loin de chez nous, on est quand même très loin de Paris. L'avantage, Benoît, tu es encore en France. Donc, ici. Tu es en France, quoi. Non, donc, c'est vrai. Et tout le monde à l'aéroport, quand on a regardé les billets d'avion, tu vois, et qu'on a vu, ah, on a le billet de retour, on s'est dit, au moins, si c'est une galère, on va pas avoir à payer le billet de retour. Ça, c'est pas donc, pessimiste. Hein. C'est... Non, mais attends, mais c'est vrai, tu sais pas. Je veux dire, il y a des plans galères, je te dis, il y a des gens, je connais des gens, et heureusement, je te dis, j'ai vraiment eu de la chance jusque-là. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était tombé sur des plans galères. Moi, vraiment, tu m'aimes, c'est tout ce qu'elle sait dire. En bouffant le rasant, quand je voudrais dormir, faut lui dire que je l'aime. Voilà, ça roule très bien. Direction assistée, il me semble que je l'ai dit. Ben, il ne reste plus qu'à essayer. Donc, ce que je te propose... Je te propose de l'essayer. Non, ce que je te propose, c'est que je comment on peut ah putain, j'ai l'expression en africain dans ma tête et il faut que je traduise en français, ça donne peut-être pas les mêmes éléments. Il faut que je passe un moment avec, tu vois. Oui, mais... ça peut un moment, ce que j'appelle un moment, c'est quoi, une heure, deux heures, tu vois, que je vive. Et après, à partir de là, j'ai dit bon, ok, c'est comme j'avais vu la fois passée. Mais de toute façon, ma parole est déjà donnée. Ouais, le t-shirt de fou malade, les gars, j'avais pas vu. Ah,
je suis d'un pays de parole. La tradition orale chez nous, c'est. Chez nous, on ne signait pas les contrats. Oui, oui, on disait. C'est la première version en 1995 de Abattard, tu fumes. Quand tu as déjà dit, on est esclave de ce qu'on a dit et maître de ce qu'on n'a pas dit. Tout à fait. Voilà. Donc, tu as le prix de vente auquel je l'ai acheté donc, il y a un an. Donc, moi, je te le fais à 55 000. Tu sais qu'il y a un pot d'échappement, un bout d'échappement en fin à changer. On a descendu le prix à 52 000. Et lui, que il rouspète, il est yombe. Il est en train de voir que l'autre, il est en train d'acheter une dernière gova. Il se dit, mais c'est quoi ce bordel? Je te laisse, tu l'essayes, tu la fermes quand tu as fini. Puis c'est... Je tu la fermes quand soir. Tu as fini? Mais comment il lui parle? Très bien. Okay. Bon, on se bigofole tout à l'heure? Non, c'est même pas la peine. En fin d'après-midi, je passerai. Ça fait 5000 euros en gros la voiture. Non, pas de problème. Okay. Jacques, pas de problème. C'est scam un peu là. Ok, Jacques. Okay. C'est scam de fou. Alors, t'as acheté le cachet? Je vais l'essayer d'abord. T'as fait un chèque? Non, j'ai pas acheté. C'est juste le caution. C'est quoi cette connerie? T'as acheté un. Non, j'ai pas acheté. C'est une caution que je lui donne. Pas accès. De ma gueule, hein. Non, mais j'ai pas acheté. Ma gueule. Non, j'ai parce pas. Que je te vois faire un chèque de 5 plaques et tu me dis qu'on n'a pas un sou. Non, je n'ai pas. Là, on rentre dans des zones dangereuses. Non, je n'ai pas. Je commence à avoir la truc qui monte. Attends, et je sens que je vais me fâcher. Écoute, pose-moi. Parce qu'il y a des trucs qui collent pas du tout. D'accord. Okay. On est à 40 balles pour, je sais pas, acheter un truc et tout à coup, il sort un chèque. Ce pognon, il vient d'où? C'est mieux que c'est le illogique. Mais non, attends. Est-ce que je l'ai acheté? Est-ce que tu as vu? En fait, ce qui me tue, c'est que lui, il était pas censé être là. Et ça a pas laissé le temps aux scammers de préparer un dernier mytho pour leur dire. Et là, il doit inventer le mytho en direct, c'est archi dur. Là, il galère de fou. Je vois le mec se barrer. Toi, t'as fait des papiers, t'as fait un chèque. Et lui, il barre avec sa bagnole et son chèque. Bon, tu vois ça, et elle est là. Non, et tu verras que cet après-midi, il viendra la chercher. Tu vois? Et c'est en ce moment-là que tu comprendras que ce n'était pas le cas. L'après-midi, tu verras qu'il viendra la chercher à 17h. Tu verras qu'il viendra la chercher à 17h. Et c'est là où tu comprendras que je ne l'ai pas encore acheté. Encore? Ne te moque pas de nous, tu vas rentrer dans des emmerdements épouvantables. Comment? Ne te moque pas de nous, tu vas rentrer dans des emmerdements. Non, mais je te... Écoute-moi. Je t'aime beaucoup, mais là, je fatigue. Il y a des trucs pas cohérents. Ouais. Je suis pas fort en maths. Mm. Mais je sais compter un peu quand même. Mm-hmm. Et il y a des trucs qui collent pas. Bah, faudra tirer ça au clair, c'est tout. Si le 4x4 est là, il est entre les mains de Serge, c'est que l'argent est sorti. Et si l'argent est sorti, il doit être sorti de quelque part. Mmh. Et s'il sort de quelque part, je veux de l'argent, mais tout de suite. Je veux de l'argent. Mais en tout cas, dans tous les cas, cet argent, la voiture, c'est pas une priorité du tout. Là, il doit des comptes à des gens. Même si c'est son argent à lui, imaginons, en fonds personnels, qu'il mette ça au service de tout le monde et qu'il récupère l'argent de la drague plus tard en le gardant. Mais là, il y a des gens, Msakin, ils ont même pas de matelas, ça dort à trois par terre. C'est... Je demande pas, je veux. 2000 balles tout de suite. Il n'y a rien à casser, mais je casse tout quand même. Je suis assez long à foutre en boule, mais... Ah, parce que effectivement, non mais... Bien, mais après, il faut m'abattre au fusil. Non, parce que soit quoi. Effectivement, il n'y a que deux solutions. Soit l'argent, il vient d'un compte pour la compagnie, soit c'est personnel, et puis il pourrait aider, effectivement, prendre sur ses deniers personnels pour nous aider. Non, mais je comprends complètement le principe. Je comprends pourquoi tu es en colère, mais je comprends complètement. Il y a Rob, par exemple, il est arrivé sans un sou ici, le pauvre. Il a vraiment besoin de sous, quoi. Tu me perturbes beaucoup avec l'histoire de 4x4. En plus, Philippe, tu sais. En plus, attends. Le chèque que j'ai fait, c'est un chèque personnel de Serge. C'est pas le chèque de la compagnie. Et tu pourras regarder. Tu ça revient au même, donc non, ça, quelque non, part. Ça ne vient pas au même. Pour moi, ça attends, revient il y a, non, il y a Serge, moi, il ça, a oui. Attends, même non, dans non, le sens non, où... non, mais non, mais tu n'as, tu, il y a quelque part. Encore une fois. À moins que tu aies fait un chèque en bois, mais cet argent a bien été. Il y a bien quelque part de l'argent qui correspond à ce chèque. Mais non, justement. Alors donc, c'est un chèque en bois. Mais non, mais justement, c'est pourquoi tu ne sais pas quels sont nos accords. Écoute, tu ne sais pas. En tout cas, je l'ai vu partir avec un chèque. Si la possibilité existe de sortir des sous, en théorie, en tant que responsable d'un groupe, ce serait pas pour, en théorie, acheter une voiture. Non, ça aurait été fait. Tu comprends? Là, il n'y a pas sortie réelle. Tu vois? Voilà. Si tu veux, on peut dire sortie virtuelle. Il n'y a pas sortie réelle. Eh bien, c'est bien, tu nous rassures. Si tout se décoince, tu peux faire ce que tu veux de ton pognon. C'est ton droit, c'est ton pognon. Quand même. Bien sûr. Je veux dire,
Mais si la situation est coincée et que je te vois partir dans un rutilant 4x4, dire là, c'est pas possible, quoi. Oui, mais ça peut être... Ça peut j'ai foutu du sucre dans son réservoir, l'autre, attends. Non, Philippe, ça peut être aussi un 4x4. C'est non, bon, ça peut être un 4x4 que tu as acheté aujourd'hui pour payer 6 mois après. Parce que le mec, parce qu'il s'en va. Tu vois, c'est un fonctionnaire, il est muté, il s'en va. Donc il faut qu'il se débarrasse. Donc il a besoin de son pognon maintenant. Hein? Donc il a besoin de son pognon maintenant. Non, je partais pendant le pouce. Non. Tu parles. Qui accepterait qu'on le paye en 6 mois? Mais justement, lui, il accepte. C'est le deal que nous sommes en train de faire. Eh ben dis donc. C'est un chèque personnel signé une ami de Serge. Parce que ça, c'est la voiture une ami de Serge, c'est pas la voiture même, ça n'a rien à voir avec le projet. C'est ma voiture. Le fait qu'il se rejustifie, mais cette fois-ci au caméraman, ça montre qu'il est en phase rouge de fou. Moi, j'achète pour moi que je vais faire un cadeau à mon père. Ah, cadeau. Donc, c'est clair que tu n'as pas privilégié l'achat du véhicule par rapport à tes salariés. Ah non, monsieur. Non, mais c'est bon de savoir. Pourquoi je pose la question? Non, si j'avais des sous, j'aurais donné aux gens. C'est ce que j'ai toujours fait. Ah, au début... Si je me suis retrouvé sur la paille, c'est parce que j'ai mis 250 000 francs personnels. Oui, tu t'es retrouvé sur la paille. Heureusement qu'il n'y a pas eu une allumette qu'on a mis pour que ça brûle, quoi. Bien. Mais comme on t'a pas aussi donné la chance de prouver que tu pouvais pas bouffer l'argent. Voilà, on t'a pas. C'est ça, donc. J'espère. Alors. Donc on a découvert avec bonheur que tu avais fait finalement un chèque global du truc, contrairement à ce que tu m'avais dit. Mais enfin, c'est global. Pas grave, c'est pas grave. Et puis à ça, tu m'avais dit que tu paierais peut-être en 4 mois, etc., etc. En fait, tu as réellement fait un chèque global du truc. Je te demande pas d'explication. C'est une constatation. C'est pas grave. C'est pas dans ça. Je vais vous donner des textes là pour le temps de passe. T'as vu? Ah, attention, c'est peut-être un... C'est le virement de Serge qui est arrivé. Garde son calme. Le virement est là. La thune. C'est notre virement. Serge, tu as tenu parole. Je veux ma thune. J'ai juré, les gars. Ah, mais arrêtez, moi, je suis vachement content de n'avoir pu offrir un 4x4 à Serge. Et la prochaine fois... Attendez, est-ce qu'il y a Serge avec eux, là? Je crois pas, hein. Une résidence, on la prend vraiment à Versailles, tu vois, ou la mode Beuvron. À la Guyane. Je voulais savoir, est-ce que tu peux savoir si le mandat témoin est arrivé dans le compte? Il est parti dans le DRAC. Ah, il part mardi, hein? Ah, d'accord, ok. Ah oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il partait. Ah oui, d'accord. Parce qu'ils ont une réunion, je crois, à Paris. J'ai une théorie, mais je pense que ça capte pas. Et il fait Zarma devant le caméraman parce que là, il commence vraiment à être dans une sauce trop élevée. Il veut même rassurer les équipes de prod et tout. Je pense qu'il n'y a personne au bout du tel, là. Bon, écoute, je te souhaite une bonne journée. Travaille. T'inquiète pas. Moi, je ne peux qu'être content que les choses prennent cette tournure. Tu vois, ça permet de... Il ne laisse même pas le temps de répondre au bout du visage. Noir, qui est le mien. Déjà qu'il est noir, on a encore renoirci, tu vois, un peu ce que ça peut faire, quoi, sous la couche. Hein? Donc il faut une bonne couche, même avec la plus grosse lessive nettoyante à la seconde, je pense pas qu'il va s'éclaircir. Hein? Attendez, il a dit quoi? Que ça peut faire. Je voulais savoir, est-ce que tu peux savoir... Ah, d'accord, ok. Ah oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il partait. Non, ah oui, d'accord. Parce qu'ils ont une réunion, je crois, à Paris. Bon, écoute, je te souhaite une bonne journée. Travaille. T'inquiète pas. Moi, je ne peux qu'être content que les choses prennent cette tournure. Tu vois, ça permet de laver le visage noir qui est le mien. Déjà qu'il est noir, on a encore renoirci, tu vois, un peu ce que ça peut faire, quoi, sous la couche. Hein? Donc, il faut une bonne couche, même avec la plus grosse lessive nettoyante à la seconde, je ne pense pas qu'il va s'éclaircir. Hein? Avec tout ce qui a été dit, tu vois. Mais bon, au moins on découvrira l'être humain, l'homme, avec ses méthodes. Voilà, et comme quoi, on a beau dissimuler ses excréments au fond de l'eau, ils finissent toujours par remonter à la surface. La famille dans une histoire, ayez toujours tous les tenants et aboutissants.
ayez toujours la version de la personne 1 et de la personne 2. Parce que là, celui qui est là au bout du tel, là, il doit se dire « Serge, le pauvre, ils sont en train de lui faire la misère. » Et carrément, il fait même des citations et tout. Mais il faut avoir vraiment la version de ce qui se passe de l'autre côté parce que ça va pas, là. Il est tout le temps tout seul, ça me termine. Il y a personne qui veut l'accompagner. Le ciel de Paris marche les amoureux. Il n'y avait même pas de panneau. Leur bonheur se construit sous un ciel fait pour eux. Sous le fond de oui, oui, je suis bien encore au secrétariat de monsieur le maire. Alors, c'est toujours monsieur Inavnil. Apparemment, personne ne sait rien. Tous les services, personne ne sait rien, alors qu'il y a une convention qui existe, elle est bien. Et nous, ça urge, ça devient une question de vie ou de mort. Bon, est-ce que vous pouvez me fixer un rendez-vous, maintenant? Là, ça devient bizarre. Non, vous me fixez un rendez-vous, bien j'appelle. Mais parce que pour moi, si je n'ai pas certaines réponses, je ne vais pas traîner ici en Guyane, je repars à Paris. Mais le fait qu'il fasse l'appel dans la voiture qui a été acheté par l'argent peut-être de tout le monde. Ça me... Parce que je vous dis, c'est question de vie ou de mort. Hein, c'est question de vie ou de mort. Il faut que les choses soient réglées. Sinon, je rentre. C'est pas la peine de rester ici et mourir. Ça sert à rien. Parce que moi, j'ai 12 personnes qui sont dans des situations, mais vraiment indescriptibles. Et ça devient difficile. Vous comprenez? Ça devient vraiment, c'est vraiment question de vie ou de mort, madame. Vous voulez que j'appelle lundi à 9h? D'accord, merci. Au revoir. Il se dit, bordel, je vais devoir temporiser encore 4 jours avec eux. Ah non, là, ça, les taux, ils se resserrent. J'ai vu que la DRAC me mène en bateau avec des manœuvres dilatoires. Un jour, ils disent une chose, un autre jour, ils disent une autre chose. Je dis non, ça suffit. Moi, ma décision est la suivante. Je n'ai pas envie de vous garder dans cette espèce de flou. C'est pas la peine que l'on continue. Moi, je fais arrêter le projet. Je fais arrêter le projet. Ceux qui veulent rentrer, on voit quand est-ce que vous pouvez rentrer. Et surtout que dans le contrat, nous étions en période, on a toujours une période qu'on appelle, entre guillemets, la période d'essai, qui est d'un mois. Le mois dans lequel nous y sommes, il est dû, c'est-à-dire le mois d'avril. Et moi, demain, dès demain, j'attaque la DRAC. Pour rupture de contrat. J'attaque la DRAC pour rupture de contrat. Maintenant, je n'ai pas reçu encore de courrier officiel de leur part, disant qu'on ne te donne pas la subvention. Donc il faut peut-être quand même attendre cette réponse officielle. Attends, avant d'engager quoi que ce soit. Officielle, oui. Parce que pour le moment, on a des mots. Biskina, Serge, il a juste envie de crier, mais il n'y a pas de réponse officielle. L'argent, je l'ai volé, wesh. Ouais. Encore une fois. Oui, on peut attendre jusqu'à quand? Voilà, c'est ça. Mais est-ce non, que d'ici gars, là, on non. peut avoir un peu d'argent dans nos comptes, quoi, parce que... Ne serait-ce que par rapport aux courses et tout ça, on commence à... Je sais pas ce qu'il cuisine. Hoxton the beach. Avenue. Et puis là, tu gardes le putain. Doit être facile de retrouver. La garantie pour nous serait... qu'on puisse arriver à se maintenir ici jusqu'à la fin des dates d'essai. Non, il reste que deux solutions. Soit il y a un miracle et que la drague, d'un seul coup, elle donne le fric et le spectacle se fait. Mais alors, on peut toujours rêver. Deuxième solution. Là, c'est lourde. Attends. Là, on va à Lourdes. La deuxième. Non. Et la deuxième, c'est qu'on récupère mon mois de salaire. Point barre. Non, pas le mois de salaire. Nos mois de salaire. Je dis bien nos. Attention, là. Mais la question que je me pose, c'est les mois de salaire, ils sont toujours dus par Serge? Ou c'est vraiment la DRAC, une fois qu'il rentre à Paname, c'est avec eux qu'il va faire? Puis si tout passe par Serge encore, c'est... Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je fais partie de la troupe de comédiens qui se trouve à... de la compagnie de Nouille, la Mail. Vous avez certainement entendu parler du dossier, je suppose. Oui, comme vous dites. Voilà, et je suis moi parti. Je ne sais pas si vous étiez au courant qu'il a fait venir quand même 6 autres comédiens.
malgré ses difficultés. Et on est à Rémiré, Montjoly, dans une maison, et j'aimerais, si possible, aux alentours, mais en tout cas, enfin, après le 28, parce qu'on est obligé de protéger un peu nos camarades qui ne sont pas encore en fin de période d'essai, j'aimerais beaucoup, si c'était possible, qu'on prenne un rendez-vous pour que vous constatiez nos conditions de vie ici. Parce que j'ai absolument besoin de ça, je veux le faire, si c'est possible, avec vous, puisque vous êtes sur le secteur, parce que... Il appelle le préfet 9-5, mais... parce que comme par contrat, on est en résidence, c'est-à-dire que l'employeur nous loge. C'est-à-dire... Non, c'est même pas ça. C'est au-delà de ça. C'est qu'il devait nous fournir une enveloppe avec des logements, bon, des logements vides et une enveloppe pour l'équiper. Mais comme on n'a jamais eu d'argent, on vit dans des chambres sans lit, on vit dans une maison sans meubles. Ça fait un mois qu'on est comme ça. Vraiment, j'aurais aimé que l'inspection du travail puisse voir ça. Bien sûr. Bon, ben, je vous remercie de votre aide, monsieur. Au revoir, monsieur. En vrai, mal vivre une situation comme ça, très très loin de chez soi, ça fait vraiment trop mal. Un peu de 5 égale 2, mais t'es tellement loin de chez toi que tu vis la situation fois 100 en fait. Donc là, ils doivent être épuisés. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils sont en Guyane, mais ça doit vraiment leur peser fort dans le crâne. Fort. Il y en a, ils ont même plus de thunes pour rentrer. Je m'explique, si on était dans un chantier, dans un théâtre, en chantier dangereux, etc., là, ils s'en sortent. Mais les conditions de vie en résidence ne le concernent pas. Par contre, ça concerne un huissier. Mais là, ça nous emmène dans un constat à 900 balles. Quoi. Voilà. Demain, je vais au tribunal. J'ai besoin d'avoir mes chèques. Parce que, quel que soit l'argent, les tonnes d'argent qui peuvent tomber sur mon compte, si je n'ai pas mes chèques retournés à la BNP, je suis interdit bancaire et c'est confirmé. À partir de là, voilà, par rapport à ça, pour pouvoir sortir de là, je termine juste. À partir de là, si rien n'est fait, très affectueusement, Serge, je te fais un très bon procès. En bonne et due forme et très affectueusement. Attendez, mais dites pas, c'est Serge qui a à dire en bonne et due forme. Il est nargue. J'insiste sur le fait. Et à toi de te débrouiller, te retourner à qui besoin. J'ai mon électricité qui est coupée à Paris, ça va faire un mois. On a commencé par réduire la lampe, on n'allumait qu'une seule lampe. Ah, après, dur, tout est coupé. Les téléphones, n'en parlons pas. Les deux portables et le fixe. Tout est coupé. Donc, j'ai toujours dit ceci pour ceux qui m'ont suivi. C'est vrai que je suis assez prolixe. La politique, tout le monde peut... La famille, je raconte pas, je rigole pas de sa situation, bien sûr. C'est dur, là, ça se voit qu'il est à bout, miskin, et surtout, il est dans des galères de ouf financièrement. Mais je rigole vraiment pour Serge parce que... Il a dit, c'est vraiment Serge le mytho. Ah, mais peut-être que Serge le mytho, ça vient de là, non ? En faire les actes. Choisis la bonne stratégie, Serge. N'oublie pas que tu m'as dit, Jean-Clément, oui, que tu devrais appeler Hassan. Oui, hein, oui. Bon, tu m'as pas dit si tu l'appelles ou pas. Est-ce que tu penses que logiquement, c'est à moi de le faire? Non. C'est toi qui as dit que tu devrais l'appeler, puisque oui. tu as pris oui. contact avec lui. Moi, j'ai fait du courrier. Serge. Moi, j'ai fait du courrier. J'ai un téléphone et tu sais bien que pour pouvoir appeler les gens... Mon téléphone, tu sais bien. Tu sais bien que mon téléphone est aussi le tien. Non, c'est des polémiques inutiles. C'est de la tchatch, là. Non. Hassan, je suis désolé. Je lui ai envoyé du courrier. Si on ne peut pas s'entendre, Serge, va non, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, Jean-Clément. Tu fais ce que je veux. Je te l'interdis pas. Va au tribunal. Va au tribunal, Jean-Clément. En vrai, c'est pas correct parce que il lui dit ouais. En fait, lui, il devait passer un appel à quelqu'un qui apparemment pouvait un peu débloquer sa situation. Mais Serge, c'est à lui le bigot. Et il a dit mais Montel, c'est le tien. T'avais qu'à le prendre et passer ton appel. Mais le premier jour où ils sont arrivés là. Il leur a dit, les gars, écoutez, ma télé, c'est ma télé. Vous voulez regarder le match, achetez-vous une télé. Le matelas, c'est le mien, faites ma lessive. Pas ton interdit. Ça, c'est pas correct, Serge. Vas-y. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai dit à Serge, je lui ai dit en face que
toute façon, on n'allait pas lui... Si ça se casse la gueule... Moi, je lui ai dit devant le mec, tu te rappelles? Mais on porte plainte, on porte plainte. La traque ne veut plus de toi. Comment c'est? Oui, mais comprenez, m'avait dit ça. Il y a un an, m'avait dit ça, il y a 8 mois. J'ai dit, attends, Serge, le problème n'est pas là. On est là maintenant. Visiblement, la traque ne veut plus de toi et ton projet, il sent le pâté. Bon, il est mort. Maintenant, comment on sort de ce truc-là? Il doit se mordre les doigts, la drague, d'avoir fait confiance à un mec pareil. Ravus, ce serait un trop bon professeur. 700 000 balles. Il a une bonne dégaine. C'est un truc qui va aller à volo et qu'il faudra justifier. Mais tu sais que il faut reconnaître que Serge, il est très fort pour embobiner les gens. Parce que. Il est pas si fort que ça. Non, mais ce que je veux dire, au départ, bah, regarde, il nous a embobinés. C'est-à-dire qu'avec ça, il a une bonne tête, etc. Donc on se dit. Moi, j'ai pris mes renseignements. Oui, mais on a tous plongé. Tout ce que j'ai entendu, c'est. Bon, c'est une organisation africaine, c'est bordélique. Mais on était tombé d'accord, on sentait pas l'escroc. Doucement, Ravus. Ce que j'espère pour lui, c'est qu'il va prendre des leçons doucement, de cette expérience. Ne crois pas ça. Serge est convaincu de n'être qu'une victime. Les victimes recommencent toujours. Il faut que maintenant ce mec se retire du théâtre et qu'il aille monter des projets en terre de feu. En terre d'Élie. En terre de feu. Le 27 et le 30, le salaire tombe ou ne tombe pas. S'il ne tombe pas, rupture de contrat, je capte pas, on rentre à la casa. S'il tombe, on est obligé de rester. De toute façon, oui, bien sûr. Jusqu'au mois suivant. Ah non. Oui, c'est ça. Au moins jusqu'au mois suivant. Mais là, franchement, ce serait vraiment épouvantable. Pourvu qu'on ne me paye pas. Non. Non, moi, je préfère qu'on me paye pas. Ah, moi, pas. Non. Je vais rentrer chez moi. J'en ai marre. À la Guyane, rendez-moi la pollution. Rendez-moi les agressifs. Rendez-moi Jean-Marie. Wesh. Mais Ravus, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Ravus? Depuis le début de l'épisode, je te défends et tout, là. En plus, ce qui me tue, c'est que c'est vraiment la toute dernière phrase avant qu'il y ait la prochaine transition. Il était à ça de finir bien, tu vois. Oh, mon Dieu. Ravus, on va prier pour que Serge dilapide tes comptes encore plus. Vas-y, montre-leur, Serge. Voilà, BFM Radio, vas-y, montre-leur. Il est inutile de garder les gens ici, la création. Donc, moi, je propose que les gens partent le plus vite possible, c'est-à-dire après-demain. Comme ça, moi, dès cet après-midi, je fais un courrier pour libérer la maison. Parce que là, on arrive, demain, c'est le 30. Oui, mais il n'y a pas de place dans les avions avant le 4, Serge. Tous les avions sont pleins. Absolument. Il y avait des listes d'attente pour le 2 et le 3. Le premier, c'est plein. 2-3 listes d'attente, le 4 des places, il y en avait 4 qui restaient. On est 9. Que nous avons réservé. C'était quand même un sacré fiasco, ce truc. Donc ça veut dire que nos salaires d'avril, évidemment, est-ce que tu vas absolument pas pouvoir les honorer? Non. Avec quel argent? Non. Je vais d'abord aller à la DRAC. Et en fonction de ça, je vous dirai à peu près quelle est la période où je pourrai payer les salaires. Parce que je veux privilégier ça de toutes les façons, au-delà de toutes les autres dépenses. On va avoir besoin effectivement de nos feuilles de salaire, de nos bulletins civiques et congés spectacles, mais aussi que tu nous fasses une lettre spécifiant que le contrat a été rompu de ton fait. Pour non-paiement. Pour non-paiement. Non-paiement de quoi? Non-paiement des salaires. Non, le contrat n'est pas refus pour ça. Bien sûr que non. Si. Non. Bien sûr que si, non. Serge. Le contrat est rompu parce que le mien a été rompu par mes partenaires. Il y a un contrat qui est rompu de toute façon. Oui. Donc il faut qu'il nous fasse une lettre dans ce sens. La lettre, je vais vous la faire. Hein, je les enverrai en recommandé parce que comme l'exige la loi, je le ferai. De toute façon, ça serait valable pour tout le monde. Et c'est des imprimés que j'ai déjà prévus parce que je savais déjà qu'on arriverait là. Les gars, je fais pause. Là, je vois ses babines bouger. J'ai peur de ce que va dire Ravus, vraiment. Il a deux doigts de dire des choses qui pourraient me battre de Twitch, en fait, je pense. Parce que pour une fois, moi, j'ai envie de parler pour moi, et pas pour le groupe. Tu vois, Serge, que t'aies pas eu de bol, que t'aies eu des problèmes avec la drague, que t'aies eu tout ça, j'en reconnais volontiers. Ce que je te pardonne pas. Vraiment, je te pardonne pas. C'est d'avoir pris des risques avec ma vie. Tu t'es permis de prendre des risques avec ma vie. Et en 2 mois, tu as fait de ma vie une bordélisation maximale. Je ne dis pas que c'est entièrement de ta faute. Je dis que c'est en partie de ta faute. Et c'est cette partie-là que je ne te pardonne pas. J'aurais fait ça
à personne, j'aurais pas osé. Ça va. Alors, je te le dis sans haine, mais je te le dis fermement. Je trouve que ce genre de choses-là, comme c'est pas la première fois que ça arrive, ça doit plus arriver. Et avant de remonter un projet, il faut absolument que tu sois certain que tu puisses t'occuper des gens. Mais ça, lui, il faut qu'il fasse des doublages de films. Qu'est-ce qu'il fait dans les pièces de théâtre Shakespeare et tout, là, il a un vrai talent, j'aime trop ça. Je te le dis parce que je suis en rogne et que je vois un gâchis ici de gens et de qualité qui me rendent dingue. Et encore une fois, je parle comme mon nom. Les autres te diront ce qu'ils ont à te dire. Mais t'as joué avec ma peau. C'est comme si t'avais pris ta bagnole et que tu fonçais à 170 en pleine nuit dans le brouillard. Avec ma vie. Et je permets à personne de jouer avec ma peau. Ouais, personne. Sans me demander mon avis en tout cas. Tu m'aurais dit, il y a peut-être des problèmes, je t'avertis, il y a peut-être des problèmes. Si tu veux renoncer à ça parce que c'est risqué, à ce moment-là, je juge et je ne dis rien. Mais c'était pas ça le discours. Et j'ai 40 ans. Donc je m'amuse pas à jouer à ça. Moi, je pardonne pas. Je pense que, avant de remonter un projet, tu vas enlever un peu la espèce de... La famille, je voulais pas en parler, voilà, parce que j'aime pas juger sur le physique. Mais vraiment, si c'est le raciste qu'il pense être, ça, c'est 40 ans, ils en paraissent comme 60, c'est de la folie. Je lui donnais genre 65 ans, moi. De vision à part, la qualité des choses qui fait que tu ne te présentes qu'en victime. Personne n'est entièrement victime. Jamais. Sauf Adacho. Non, je lui donne 60 piges, les gars. Et la seule chose que j'espère maintenant, c'est de plus jamais avoir affaire à toi, ou à un de tes projets, ou à même entendre parler de toi. Parce que ça me... Ce truc-là, je vais mettre un bout de temps à le digérer. J'avais dit, je me suis fait sodomiser à 50%, la suite passera pas, c'est évident. Maintenant, les autres diront ce qu'ils voudront, ils trouveront mon discours trop dur, comme ci, comme ça. Je m'en fous! Totalement! Serge, tu as merdé, tu vois? Tu as merdé. Là, qu'est-ce que tu peux avancer? Moi, je t'ai dit un jour, tu vas monter les machins de la drague, ça. On est responsable, non pas de ce qu'on a fait seulement, mais de ce aussi qu'on a laissé faire. Mets le genou à terre et dis que j'ai merdé. Et je suis désolé de vous avoir emmené ici, de vous entraîner ici, parce que c'est grave, vous avez laissé des familles. En tout cas, j'ai merdé. J'ai merdé aujourd'hui, je le contraire, on peut vraiment vous m'excuser. Mets le genou à terre et excuse-toi, c'est tout. Tu penses quoi? À l'aube, on ne peut plus empêcher le coq de chanter. Le coq va chanter là, c'est fini. Tu vois pas, qu'est-ce que tu vas expliquer? Tout le monde sait ce qui s'est passé. Tout le monde sait. On sait, sinon, ça c'est dur. Ce que je trouve archi beau avec eux, c'est que bon, ils font tous du théâtre, du coup, ils doivent graille un tas de littérature tout au long de l'année, tout ça, et ils sont remplis d'expressions. Je trouve ça vraiment sympa dans les discussions. Genre, ça change un peu de. Peut-être ma façon de parler à moi, par exemple. À demain maintenant, tu vas merder. Tu as merdé. Là même, si c'est pas toi, si ça vient pas de toi, Philippe t'a dit que les 50%, ça vient pas de toi. Mais c'est toi qui avais tête du projet. C'est toi. Le président de la République, c'est toi. Donc même si c'est Elf Congo, vient voler le pétrole au Congo, il vient voler le 100% du pétrole au Congo. Hein? Mais le président de la République, on dit que c'est Sassou qui vole l'argent du pétrole. Et pourtant, lui, il reçoit que dalle. Ils ont eu Serge. C'est bon, rends-toi Serge, rends-toi. Allons, on peut nous mettre dans la merde. En plus, l'eau, elle a l'air bien, bien froide. Oh, oh. T'as eu l'impression, hein? Oh. C'est curieux, hein? Oh, c'est trop bon! Ah, faut être mystique, hein? Faut aimer la merde, hein? Ça, ah, bah, c'est clair! Bon, c'est à peu près la vision qu'on a de ce qu'on est venu ici, quoi. Il y a de la boue au bord et rien plus loin, quoi. C'est vraiment le raciste originel, lui. Des crabes. On prend rien des crabes, je t'assure. Une fois que t'es... Bah, je t'assure, une fois que t'es dedans, t'as du mal à t'en défaire. On a passé 3 semaines avec un requin, crois-moi, les crabes. Wallah, j'ai cru d'aller dire, on a passé 3 semaines avec un renois, donc les crabes... Oui. Philippe, regarde-moi. C'est une photo pour Lulu, hein, d'accord? Ouais. Voilà. Tu saches bien jusqu'où on était dans la merde. Attends, j'en reprends une. Je te donne quand même la copie. La lettre que je t'ai envoyée depuis longtemps à Paris. Ah ouais? Pas recommandée. Ah ouais? Parce qu'il fallait faire les choses correctement. Ah ouais? Ça, c'est juste la copie pour que tu ne sois pas... Tu m'as envoyé une lettre recommandée? Ouais. Mais par rapport à ce que j'ai... En quelle date? Mais ça a été le 21. Je te donne juste la copie. C'était par rapport à ce que je t'avais dit ici. D'accord.
Pas de problème. C'était juste pour que ce soit pas... Ah non, mais non, mais il n'y a pas de problème, tu sais, il n'y a pas de problème. De toute façon, je vais pas me répéter, j'ai plus rien à dire. Donc... Je trouve que la suite, il profite trop du collectif parce que ses arguments, ils sont claqués. Tout le monde se repose sur Ramus qui met des masterclass depuis le début. La suite, c'est... il sait même pas de... il sait pas parler surtout. Bah en vrai, il y a un parce que je sais pas finir ma phrase. On va voir. Par la suite. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi, je sais que publiquement... au cours d'une réunion, j'avais annulé le contrat, je te l'ai dit. Et je pensais que tu rentrais dans les deux jours. J'avais fait une réservation. Je t'ai jamais dit, je n'ai jamais changé de position. Je t'ai envoyé une lettre recommandée chez toi. Comme le dit officiellement, ça doit se passer comme ça. Écoute, c'est bizarre parce que je n'ai pas eu cette lettre recommandée. Non, elle est chez toi. D'accord. Quand tu rentreras chez toi, tu trouveras une lettre. Si elle n'est pas arrivée, ça veut dire qu'elle m'est renvoyée parce qu'elle n'a pas été retirée. Voilà. Si elle n'est pas chez toi, donc elle m'est renvoyée. Parce que c'est avec AR. Ouais. Donc, mais ce qui est bizarre, c'est que chez moi, il y a quelqu'un qui y habite. Oui. Et il n'y a jamais eu David. Il n'y a jamais eu David. De toute façon, il a été envoyé. De toute façon, tu n'es qu'un menteur. C'est pas un problème. Je dit que tu étais un menteur. D'accord. Un manipulateur, tu es un mégalomane, mythomane. Ok. Et ça va se finir devant les mais il n'y a pas de problème. Moi, ton contrat a été annulé. Moi, j'ai plus de contrat. Contre ma bonne foi. Contre ma bonne foi. Mais je n'ai pas de. Ça va être devant le tribunal. Ton contrat a été annulé le 18. Ça a été dit clairement. Tu le sais. Non. Bien sûr. Rien n'est clair. Toi, tu n'es. Attends. Rien n'est clair. Oui ou non, j'ai annulé ton contrat. Est-ce que tu sais que tu as été licencié ou pas? Ça va être devant les tribunaux. On ira, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai des preuves que tu as été licencié. C'est de la manipulation financière. C'est de la manipulation d'accord. financière. Okay. Parce que j'ai pas envie de débattre, ça sera au tribunal. Mais il parle de quel contrat? La famille, ceux qui viennent d'arriver, vous ne pourrez jamais comprendre de ce dont il s'agit. Voilà. Regardez la rediff, vous comprendrez tout. Je pense que je ne mettrai même pas de montage, je mettrai direct la rediff sur YouTube. Mais ils sont dans un bourbier de A à Z depuis le début, en fait, en suivant ce gars dans sa maison en Guyane. Et ils n'ont jamais vu la couleur de leur argent. Et c'est vraiment un très, très bon scammer. Vraiment, il les scam en... Même quand on dit, si la lettre, tu l'as pas chez toi, c'est qu'elle m'a été renvoyée. Il pense à tout, c'est un truc de fou. Je constate que tu n'as payé en totalité les salaires que de Philippe et de moi. Je pense ne jamais t'avoir demandé un franc. Personnellement, je veux dire, je t'ai jamais dit, Serge, j'ai besoin absolument de mon salaire, etc. Donc c'est une décision que tu as prise en fonction d'autres éléments que des éléments de simplement essayer de faire en sorte que j'ai mon salaire en entier. J'ai pas compris pourquoi tu n'as pas payé non plus les salaires de tout le monde en entier. Si tu débloques 600 000 francs, tu payes les salaires de tout le monde en totalité. Mais non, débloquer, ça veut pas dire que tu as l'argent tout de suite. Je cherche pas à savoir ça. C'est normal. J'ai dit que je faisais au cas par cas. Donc j'ai rencontré des gens. Que tu aies eu 32 000 francs sur ton compte personnel et que tu nous aies laissé crever de faim pendant 3 semaines, ça me laisse aussi un petit peu perplexe, si tu veux. Non, tu peux pas dire ça parce que les 32 000, je viens de les avoir. Je les avais pas. Est-ce que tu viens de les avoir? C'est merveilleux parce que dès que tu as vraiment besoin d'argent, tu as de l'argent qui tombe. Mais je peux te montrer le papier. Mais ça m'est égal. Non. Si tu as décidé que moi et Philippe aurions notre salaire en totalité, c'est pour moi, c'est une manœuvre de ta part. Pour essayer de faire en sorte que Philippe et moi, qui t'apparaissent comme les personnes les plus directes avec toi et qui te disent les choses comme on les pense, et que tu as fait ça pour empêcher que Philippe et moi t'attaquions. Ben, ça, c'est une manœuvre que je ne peux pas... Mais je peux te répondre. Tu n'as absolument aucune envie de faire un spectacle, Serge. Absolument. Je pense mais que tu es surtout en train d'essayer d'éviter que les gens t'attaquent. Non, je dois faire mon spectacle. Même si vous n'êtes pas là, vous verrez qu'il se fera. Même sans vous. Et tant mieux, amuse-toi bien. Il se fera et j'irai jusqu'à Avignon. Amuse-toi. J'ai décidé d'aller jusqu'à Avignon et je le ferai. Je le ferai. Va sans argent à Avignon. J'ai hâte de voir le spectacle avec Serge qui incarne 12 rôles à la fois. Et en vrai, sa strat de donner vraiment les salaires aux deux personnes les plus élevées niveau QI du groupe, c'est franchement, Serge, il est trop trop fort. J'aurais kiffé me faire scam. Non, va monter des spectacles. Mais dans un endroit. Ça me... Mais ça te regarde. Ça me regarde. C'est ton choix. Voilà. Le mien est différent. Fait mon choix. Le mien est de mon ne pas suivre. Mon choix, c'est que j'amène le contrat. Le mien est de ne pas bout, suivre quelqu'un qui me donne tous les jours des preuves de malhonnêteté. Oui, t'as joué ton truc. C'est une manœuvre comme une autre. Elle est logique, elle est plausible. Elle est maligne. La seule qui compte maintenant, c'est que Laurence ait son billet pour rentrer en France le 4. Ça, c'est notre urgence. Nous partons. Si tu peux recruter des comédiens, fais-le.
On fera tout ce qu'on pourra pour éviter que des comédiens viennent de France. Je te le dis. On risque de faire un rapport absolument au vitriol. Que tu as un avocat, nous aussi. Serge. Donc, sans te donner de détails, ce qui se passe, en tout cas pour moi. Il est en train de se dire, tain, la voiture, il n'y a même pas de marche arrière dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Le 5, j'arrive à Paris. Le 6, j'en serai dans le bureau du SFA. Et le 7, je serai en train de déposer un dossier au tribunal des prud'hommes de la société de la compagnie de ville, dans le département de Noisy-le-Sec, là. Et moi, la seule chose que je te demande, c'est qu'on aille à l'aéroport et que j'ai mon billet. Ben, aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Il faut qu'on y aille aujourd'hui. Non, je peux aller pour la réservation, je peux me débrouiller pour la repousser. Non, on ne la repousse pas, Serge, ma réservation. Non. Ton problème est que tu partes le 4, oui ou non? Tu te démerdes. Mais je te dis que je ne peux pas cet après-midi. Si tu veux, attends. On y si va maintenant. Non, mais je ne peux pas. Il n'y en a pas pour longtemps. Je veux que tu viennes avec je moi peux pas. À l'aéroport. J'ai autre chose à faire, Laurent, s'il te plaît. Je suis désolée, Serge. Bon. La fin de ma réservation s'arrête ce soir. Je le sais. Je le sais, on était ensemble. Alors on y j'ai va dit, aujourd'hui. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Non, je m'en occupe. On s'en occupe. Je vais à l'aéroport. Mais je ne vais pas maintenant là. J'ai autre chose à faire. Ton billet, je m'en occupe. Je t'en occupe. Je t'en occupe, tu auras ton billet, tu partiras le 4 comme prévu. Pas de problème, je te le dis. Quoi qu'il arrive, tu pars le 4. Aujourd'hui, Serge. L'avion est archi plein, Serge. On va y aller aujourd'hui à l'aéroport. Le problème, elle a dit qu'elle veut. Je sais, elle a dit qu'elle veut aller le 4. OK? Le 4, elle sera dans l'avion pour Paris. Point. Moi, je le 4, envie. Elle sera dans l'avion. Aujourd'hui, c'est la tout. Fin de ma réservation, toi, c'est aujourd'hui. Mais le 4, elle sera dans l'avion. Elle a décidé d'aller le 4. Je le veux 4, qu'on aille aujourd'hui à l'aéroport. C'est aujourd'hui, moi, j'ai déjà pris des engagements. Je me débrouille. Absolument égal. Donne-moi ton dossier. Je vais avoir mon billet aujourd'hui. Donne-le-moi le dossier. Je te suis en voiture si t'as des rendez-vous, des machins, des trucs. Oui. J'ai besoin de toi 5 minutes au comptoir d'Air France de Cayenne pour payer mon billet d'avion, Serge. Non, j'ai autre chose à faire. Est-ce que tu vas arrêter de prendre les gens en otage, Serge? Je sais pas, mais ça, c'est de la folie de pas vouloir lui prendre son billet aujourd'hui en lui disant « Ah non, j'ai autre chose à faire. » Il fallait le délai. Ramus, il a failli. Le jour, il était 5 hommes, il se craquait la cou. Ah là, les verres sont tendus, les gars. Je lui ai demandé s'il a ton billet. Serge, t'as exactement 5 minutes pour arriver. T'es où là encore? Serge, mais je m'en fous ça. On doit faire des courses, Serge. Tu nous as bloqués. T'as pris la voiture sans. Attends, t'as pris la voiture sans nous demander. On a des choses à faire, tu pars sans demander. Non, je suis énervée. Je suis hyper énervée. Est-ce que t'as le billet de Laurence? Allô? Merci, Pazulu, pour le seul. On va raccrocher. Allez, on va prendre la douceur. Si c'est le portable, on va pas raccrocher. Même si c'était moi. Même si c'était moi. Le portable, au moins, non, je suis là. Je veux dire. Sarre, quand les nerfs sont vraiment tendus à un tel point que tu pars en fou rire, la situation devient vraiment dangereuse. Mais putain, je suis douce et gentille avec lui. Tu te souviens du joli ordre de virement de nos avances? Ouais. Tu t'en souviens? Ouais. C'était un beau papier comme celui des deuxièmes avances et des salaires. C'est toujours pas sur vos comptes? Non. 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 Aujourd'hui, non. Ah non. Ça se voit qu'elle a eu le truc, elle. Ça se voit qu'elle a eu les thunes et elle est en train de se dire oula, faut pas que je me fasse grimper parce que. Quelque part, ça te fait plaisir. Je suis ravie, moi, j'avais pas besoin d'argent. C'est vrai, c'est indécent d'avoir son salaire à la fin du mois. C'est un danger fixe. C'est indécent. Ouais, des fous. Est-ce qu'il existe des mots? Non. Bah, c'est très simple. Ça se résume en trois mots. Non, mais... C'est un escroc, mégalomane, mythomane. Non, c'est pas un escroc. Mais il est tellement mythomane que ça en devient un escroc. Moi, je reste persuadée que c'est pas un escroc, que... Mais elle a eu... C'est la seule à avoir eu sa quicheta dans la troupe. Fabulation, que, effectivement, il est mythomane et que ça atteint de telles proportions que... Tout ce qu'il dit, enfin, pour lui, c'est... Il le croit, quoi. Mais je pense pas que ça soit elle un escroc. Elle a eu sa quicheta. J'en sais rien. Non, je pense pas.
Qu'est-ce qui t'est arrivé, Serge, avec la voiture? Elle a l'argent pour rentrer. Il est passé où le 4x4 là? C'était pas ça la voiture? C'est bon? Je pense. Ah bah c'est bien ça. Ça, Ken, ça me fait de la peine parce que c'est la seule à avoir eu son billet. Eux, ils ont plus de talent pour le prendre. Ils sont ah bah trop contents pour toi. Tu vas pouvoir rentrer chez ta famille, c'est bien. Ça, c'est reçu. Bon, c'est bon, ah, je crois. Hein. Tu pars, j'ai l'impression. Oui, là. T'as de la chance. Laurent, tu peux. Voir son mari, ça fait plus d'un mois. Je commencerai donc par un mot. Un mot que je ne pouvais pas employer tel qu'il me l'a été demandé, pour plusieurs raisons. Parce qu'on ne me l'a pas demandé d'une bonne manière. Vous dire pardon. En vous emmenant ici, jamais aucune fois dans ma tête, je pensais que les choses allaient se passer comme ça. J'ai péché par naïveté. Et mon plus grand regret, c'est tout le temps qu'on a perdu. Les engueulades, les insultes et tout. Vous, chacun de vous, vivez des douleurs individuelles. Mais moi, la mienne était multipliée par, je ne sais pas, par 5, par 10, par 15, par 20, par 25, par 30, par 50. Ouais, il pense. À cette douleur de la situation, s'est ajoutée une douleur familiale. Ça me tue que tout le monde le guette comme ça. Ils sont aboumés. Les gars, en vrai de vrai, comme on dit, faut t'avouer, à moitié pardonner. Moi, du moment, si j'avais été l'un des leurs, du moment qu'ils me restituent mon salaire et qu'ils s'excusent comme il le fait déjà maintenant, je vous jure, j'en garderai juste un souvenir de fou en mode qu'est-ce qu'on a vécu pendant un mois, c'était archi drôle, que des galères par-ci par-là et j'en rigolerai quoi. Mais qui donne l'argent aussi. Mon père qui est dans une situation très difficile. Et au Congo, il est difficile de le soigner. Parce que là, il y a eu encore des événements. Et l'hôpital, le seul hôpital où il est un peu très loin. Et il est parti de chez nous pour y aller. Donc la solution qu'on me propose, c'est d'envoyer des sous qu'il aille se faire soigner à Kinshasa. Et quoi ? Qui ? Donc, j'ai pas compris. Attendez, je remonte en arrière là. Parce que... qui doit se faire soigner ? À employer tel qu'il me l'a été demandé. Pour plusieurs raisons. Parce qu'on ne me l'a pas demandé d'une bonne manière. Vous dire pardon. En vous emmenant ici, j'ai trop bien derrière. Mon plus grand regret, c'est tout le temps qu'on a perdu, les engueulades, les insultes et tout. Vous, chacun de vous, vivez des douleurs individuelles. Mais moi, la mienne était multipliée par, je sais pas, par 5, par 10, par 15, par 20, par 25, par 30, par 50. À cette douleur de la situation, s'est ajoutée une douleur familiale. J'ai mon père qui est dans une situation très difficile. Et au Congo, il est difficile de le soigner, parce que là, il y a eu encore des événements. Et l'hôpital, le seul hôpital où il est un peu très loin, et il est parti de chez nous pour y aller. Donc la solution qu'on me propose, c'est d'envoyer des sous qu'il aille se faire soigner à Kinshasa. Serge. Tu vois. Donc, attends, j'arrive. C'est pour dire que là aussi, si j'avais des liquidités tout de suite, je pense que j'aurais réagi de ce côté. Mais je vais voir jusqu'à mardi, mercredi, si je peux trouver 3000 francs pour vous les donner, pour que vous partiez. Ou plus tard, mercredi. Je vais voir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ils sont dans le Truman Show ou quoi ? 2, c'est quoi ce faux plafond ? 1, top, allumage. Décollage. Ça va se faire des fusées là-bas ? C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Oriane 5 à Kourou. Ah attendez, mais du coup on peut savoir la date. Qui peut regarder la date de Oriane 5 à Kourou ? Qu'on sache, ça s'est passé quand ce documentaire ? 2015.
la DRAC qui finançait. C'est la fin, les gars. C'est la fin du docu. La famille, j'espère que vous avez kiffé ce premier react striptease. La famille, ceux qui veulent des billets pour le Deter Fight le 7 décembre, vous avez le QR code là, mettez votre téléphone, pfiou, ça scanne, ça vous met sur le site directement. Vraiment, c'était top. Franchement, je suis trop content que ça vous plaise parce que je me suis dit, c'est peut-être un truc qui va pas parler à grand monde parce que c'est assez spécial quand même. Il n'y a pas réellement d'histoire, c'est un moment de vie. C'est comme les animés Slice of Life un peu, où vous suivez un animé, il se passe juste des... Tous les jours, il se passe une petite histoire dans le lycée, dans le collège, tout ça, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Et déjà, ouais, l'épisode, il durait une heure. Et si ça vous plaît, on peut s'en faire un par semaine. Il y a au moins 30 autres épisodes banger. Il y en a qui sont sur plein d'autres thèmes. Celui-là, il me fait pas mal rire en vrai parce que c'est une grande galère du début jusqu'à la fin. Mais il y a des épisodes vraiment très touchants où il se passe des choses liées un peu à la violence, liées un peu à l'abus, tout ça, tout ça. Il y a un épisode que j'aimerais grave trouver pour la semaine prochaine. Je pense que ce sera possible, mais je vous trouverai. Bisous la famille, ciao, la coupe s'il te plaît, tiens, elle est comme ça, ça va, ça pousse hein, franchement je suis bientôt sorti d'affaires j'ai l'impression, bisous la famille, ça va, prenez soin de vous, ciao.